Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Call of Duty Black Ops 6, la campagne. Allez, c'est parti, on commence l'aventure aujourd'hui avec un petit épisode. On va commencer par le fou prend la tour et on verra où on en est après. Allez, c'est parti. Mr. Gorbachev, open this gate. An entire class of U.S.-Soviet nuclear missiles is eliminated. Means that the era of nuclear disarmament has begun. We will stay the course and we will succeed. Des frissons. Est-ce que vous allez le nier? On en a déjà discuté. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Livingston? Ça suffit! Vous avez désobéi à un ordre direct, monsieur Marshall, alors qu'il était clair que votre opération était compromise. Sauf votre respect, monsieur, vous n'étiez pas là! Et le groupe qui vous a compromis, le Panthéon, vous êtes sûr que c'était lui? C'est le nom que nous a donné à la Wii. Quand est-ce que vous allez nous dire ce qui se passe ici? C'est moi qui pose les questions, monsieur Woods. Monsieur, si vous aviez lu le rapport... J'ai lu votre rapport, madame Harrow. Et j'ai encore du mal à croire certaines parties. C'est pourquoi nous allons retracer le fil des événements. Sauf que cette fois, je veux entendre Marshall. Commencez par le début. On était en position près de la frontière entre l'Irak et le Koweït. Une petite équipe. Moi, Harrow et Case. On dirait qu'Alaoui est en avance. Son contact risque de pas s'éterniser. Non. Surtout si c'est un contrebandier. Mais je suis sûr qu'Alaoui a payé le prix fort pour quitter le Moyen-Orient. Eh ben, dommage pour lui. Il vient avec nous. Outlaw 42, on a un visuel sur le convoi. Marque la cible, à vous. Reçu, équipe au sol, cible confirmée. J'attends votre feu vert, à vous. Maintenant. Outlaw 42, autorisation d'attaquer. Terminé. Allons le choper. Reçu, équipe au sol. J'attaque. Attention, ralentissement. Eh bon bah, au revoir. Allez, c'est parti. Au milieu du convoi. Et n'oublie pas, Livingston a besoin d'Alaoui vivant. Compris. Barrage, direct au point d'exfiltration. Oui, oui, pas d'inquiétude. 5 minutes. Alaoui est un ministre de la Défense, proche de Saddam. Ces hommes sont sûrement bien entraînés et lourdement armés. Allez, c'est parti. Mouvement, près des portières. Compris. Ça, c'est le genre de tir dont je me souviens. Deux cibles abattues. C'est pas fini, continuez d'avancer dans la fumée. Menace en vue. J'ai pas fait gaffe, mais je suis parti sur le camp. Tout chaud. Thank you.
On a un visuel. Oh, il vise bien lui, on se renvoie. Allez, c'est parti. Case, ouvre la porte. Parti. Ah ouh. Alaoui. Oh, il met un coup. Laisse-moi faire. Tu calmes, on te fera aucun mal. La CIA? On a bien un accord? Un accord? Pas avec nous. T'allais où? Foutaise, vous mentez. Votre homme allait me faire sortir. De qui tu parles? C'est à nous. Non, c'est qui fait parler? Le Panthéon. Le Panthéon? Il faut qu'on parte. Vous avez aucune chance contre eux. Nous en partons et on continue comme ça. Allez. Oh la vache. Que je comprenne bien, monsieur Marshall. Ce groupe que vous appelez le Panthéon était une force paramilitaire multinationale lourdement armée qui serait sortie de nulle part. Vous recevez l'ordre d'attendre les renforts, mais vous décidez de la jouer en solo. On devait agir vite. Notre fenêtre Madame se fermait. Madame Haro, a-t-il, oui ou non, désobéi à vos ordres? Oui, monsieur, mais le temps était compté et les conditions... C'est ce que je pensais. Ça ne m'étonne pas de votre part. Mais de vous, si. Monsieur, notre objectif était de capturer Alaoui par tous les moyens nécessaires. Oh, et ça, je sais. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi il est allongé sur une table à la morgue? Les choses se sont... compliquées. Bah dis donc. Qui sont ces gens? Le Panthéon est un groupe d'anciens agents européens et américains. Mais j'ignore qui les dirige. Bloque notre exfiltration. On appelle des renforts et on attend. Attendre? Hors de question. Barrage, tu m'entends? On se dirige vers toi. Non, on est compromis. Alaoui va nous ralentir. Alaoui, c'est nous ou c'est le Panthéon? Je viens avec vous. Ok, pas de problème. Fais chier, toi. Sage décision. Case, commençons par les affaiblir un peu. Ok. Taux d'équipement. Ok. RCXD. Au boulot, Case. J'essaie de comprendre comment fonctionne le RCXD. On a une ouverture. Allez, en avant. Je me fais plaisir. Hein. Wow. Alors ils sont. Le canyon. C'est notre seule option. Allez. Barrage, on est plus très loin. Barrage, réponds-moi. Contente-toi d'avancer. Ok. Le Panthéon a l'avantage. Allez, c'est parti. Oh. Hey. Oh. Je me suis pris une balle, j'ai rien compris. On y est presque, Case. T'arrêtes pas. Derrière les camions. Ok.
on y va. Allez, 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 c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça a l'air, on va bien. Oh là. Non. Mais non. Il nous fallait vivant. Woods va en faire une chenille. Célèbre Russell Adler, traître de la CIA. T'étais en cavale depuis quoi? Dis-moi. Marshall, hein? Le nouveau projet de Woods. Tu peux me lâcher. Je vais le ramener vivant. J'en ai terminé. Tu vas tout cacher, je devais le ramener vivant. Jane, tu viens juste de tuer une cible prioritaire de sang-froid, mettant en danger la sécurité nationale. Alaoui ne doit pas tomber entre les mains du Panthéon, ni de l'Anglais. La CIA est compromise. Et papa, moi, je ne suis que le bouc émissaire. Et t'espères qu'on va te croire? Hé hey Jane, muselle ce type pour moi, s'il te plaît. Ok. Attendez, j'ai un message pour Woods. Ah ouais? Dites-lui que le fou prend la tour. C'est quoi encore ces conneries? Ok. Faut y aller. Hélico. Dans le véhicule. C'est qui? Prends le lanceur. Oui. Essayons de la battre. Ouais, je vais essayer. Pas très doux avec un lanceur. Là, à 6 heures. On pourra pas y échapper. Détruis-le. Les autres vite cet hélico, Case. Qu'est-ce que t'attends? Mais il a des leurres, tu veux que j'utilise les roquettes, t'es marrant de toi. Eh, t'as un peu de chance, il a plus de leurres maintenant. Ouais, ça va. Pour l'instant. Allez, Case, descends toi. C'est bon. Oh oui. Dans le mille. Dans le mille. Ouh. Ça va se trouver. Aucune menace n'est visible dans le ciel. On est bon. Allons nous faire remonter les protéines. On va se rebotter les bottes fort. Autre chose à ajouter? Monsieur, malgré ce manquement et la perte d'Alaoui, il faut savoir que l'arrestation de Russell Adler est une véritable aubaine. Oui, Madame Arrow. La capture d'un agent corrompu est une très bonne chose. Russell Adler, la taupe qui nous a trahis au Panama. L'homme responsable de votre situation actuelle, Monsieur Woods. Mais pourquoi a-t-il essayé de vous dire quelque chose au Koweït? Le fou prend la tour. Une idée de ce que ça veut dire? Aucune. Très bien. D'après le rapport que Arrow a rédigé à contre-cœur et la rétention d'informations critiques concernant Russell Adler, votre équipe est suspendue. Vous êtes sérieux? Mais non. C'est du foutage de gueule. Et vous, Madame Arrow, sachez que je vais vous surveiller de très près. C'est grâce à des types comme Adler et moi si on parle pas russe dans ce pays aujourd'hui. La guerre froide est terminée. Monsieur Woods, des hommes comme vous et Russell Adler êtes les derniers assassins internationaux d'une époque révolue. Prenez le temps d'y réfléchir. Ce sera tout. Sortez. Mon bureau. Je vous conseille de lâcher l'affaire, Marshall. Lui, il a envie d'en découdre. Il a envie d'en découdre. Tu admires ton travail. Je pensais pas que tu le garderais. Tous les souvenirs ne sont pas bons à acheter. Pourquoi on est là, Arrow? Parce que vous savez quelque chose. Vous pourriez me dire ce que vous êtes. Désolé en train de pour m'ajouter. Les petites sautes d'image. Les enfants ont besoin de prendre du recul. C'est pas yurt ultra petit. Vous évadez un peu. Réfléchir à tout ça. Écoutez, j'essaierai de couvrir vos arrières du mieux que je peux. Mais si les choses tournent mal, vous devrez vous débrouiller. Entendu. Je t'en dois une. Une? Ouais, des dizaines, tu veux dire. Rends-moi service, Troy. Évite de te faire tuer. Je vais voir ce que je peux faire.
années plus tard. 3 jours, pardon, plus tard. Le fond prend la tour. Woods a tout de suite compris. Adler nous menait dans une direction. La mer Noire. D'après Woods, il y a une quinzaine d'années, lui et Adler ont découvert une planque abandonnée du KGB en Bulgarie. On l'appelait la Tour. L'an dernier, avant de disparaître, Adler enquêtait sur des rumeurs concernant un dangereux groupe paramilitaire qui recevrait des ordres de quelqu'un de la CIA. Il pensait que le Panthéon travaillait sur une arme d'un nouveau genre. Qu'il libérerait quelque chose que le monde n'avait encore jamais vu. Et devine quoi? Des preuves incriminant Adler sont rapidement apparues, mais il a fui. Vers cette planque. Ce qu'on a trouvé ici ces 2 derniers jours a changé la donne. Ça remet en question tout ce que je pensais savoir sur Adler, sur Livingstone, et même sur la CIA. Je sais pas si on devrait couper le contact avec Jane. Woods dit qu'elle pourrait nous être utile, mais... elle se retrouverait dans le collimateur de Langley s'il découvre ce qu'on mijote. Adler nous a fait venir ici pour une raison. Stopper le Panthéon avant qu'il ne frappe. Mais pour ça, Woods pense qu'on aura besoin de lui. C'est là que ça se complique. Adler nous a laissé un nom. Ce sera notre point de départ. Pas de temps à perdre, tu connais le plan. C'est Vati Duma que tu vas rencontrer. Je sais pas vraiment pourquoi Adler l'a contacté, mais c'est notre seule piste. On peut pas lui faire confiance. Adler devait s'en méfier. Qui sait? Elle pourrait faire partie de ce putain de Panthéon. Faut qu'on prenne le risque. Duma a accepté de rencontrer Case à Avalon, alors on y va. Tiens, tiens, tiens. Regarde-toi, t'as décidé de porter tes couilles? Oh, sur les tons, on va trouver Adler avant de se lancer. C'est bien pour ça que je vais à Munich, pour m'entretenir avec ton vieil ami. Ami? Je crois pas. Je peux pas blairer ce salopard. Mais on a besoin de lui. Alors je vais faire un petit effort. S'il est aussi doué que tu le dis, on aura localisé Adler avant le retour de Case. Si Livingstone l'a pas déjà mis en cage... Et si vous aussi. T'auras toutes les infos sur le tableau, Case. Je vais y aller, alors viens me voir si t'as besoin d'aide. Cette petite planque misérable fait un peu pitié. Mais j'ai des idées pour l'améliorer, Case. Je t'expliquerai quand t'auras une minute. Ok. Allez, good. Allez, on va par la Wood. Bon. T'as combien d'argent en tout? Oh, j'ai rien. Ouais, bien dit. En mode carpe diem. Mais tu sais quoi? Si on veut faire ça bien, financièrement, il va falloir être créatif. À quel sujet? Squara suffisait peut-être à Adler, mais pas à une équipe. Ça mérite une rénovation. Une armurerie, un stand de tir, du matériel. Le genre de truc dont on pourrait avoir besoin, tu vois? Mais toutes ces conneries ont un coût. Mm-hmm. Marshall a trouvé quelques billets cachés dans une pièce à l'étage. À part ça, on a que dalle. Mais pas question de toucher à nos comptes perso. Ça paraît très louche. Ok. Quand tu partiras en mission, essaie de trouver de l'argent ou d'éventuels renseignements. En gros, on va se la jouer Robin des Bois. Vole les riches pour aider les pauvres. Donc, moi. Ok, ça marche. On suivait une piste du KGB et un enregistrement nous a conduits ici. C'était abandonné. Quand on en a parlé à notre ami infiltré dans le KGB, il savait rien. Bon, par rapport à la planche, Belikov pensait à une sorte de groupe dissident. Qui était pas géré par le comité central. Quoi qu'il en soit, les rouges ont pas l'air d'avoir mis les pieds dans ce trou depuis 68. Ok. Ouais, ils voulaient pas nous mêler à cette histoire. Ils faisaient confiance qu'à une poignée de gens. À ce que je sais, il a contacté personne. C'est sûrement pour ça qu'il parlait avec Dumas. Pour tenir Langley loin de tout ça. Ok. On va faire pareil. Pour l'instant. Ok. Oui, le tableau derrière sert à checker nos dépenses. Tu peux regarder. Ça marche. On va l'examiner. Ok. Voyons voir. Ok, la mission suivante, c'est ça. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. On va s'arrêter là pour ce premier épisode.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter cet épisode. Mais aussi à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour pas louper la suite des épisodes de la campagne de Call of Duty Black Ops 6. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.